Et je pense que ça sera la dernière vidéo haul action parce que bah, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ça m'avait pas manqué. Donc bah, finalement, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Voilà. Alors, je suis désolée si tu as du mal à comprendre ce que je dis, mais je me suis tapé une rage de dents hier et depuis, bah, j'ai la joue qui a gonflé. J'ai les dents pourries, voilà, c'est comme ça. Vivement que j'aille chez le dentiste, mais les rendez-vous, c'est pas. Faut pas être pressé avec eux, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai le temps d'avoir mal. Génial. Bref, là n'est pas le sujet. Heureusement que je suis dure au mal. La douleur, je peux la supporter, mais bon. Hein, faut pas déconner. Voilà. Donc du coup, ouais, je te fais la dernière vidéo haul action. Donc il y a des choses que j'ai achetées avant le confinement, donc au mois de mars. C'était il y a longtemps. Et là, j'en ai acheté pendant mes vacances à Bordeaux. Et aussi là. Voilà. Mais il y a un ticket de caisse que j'ai pas retrouvé. Du coup, il y a des prix que je n'ai pas pu noter. Donc il y a des prix, je pourrais pas te les lire. Mais bon, on sait comment ça se passe chez Action maintenant. Voilà. Donc tout tient dans ce petit sac. Action, bien évidemment. Et puis bah voilà, donc c'est parti, je vais faire mon petit tri et puis je vais classer ça par catégorie, ça sera plus simple. C'est toujours plus simple Et pour je vais moi. commencer par tout ce qui est pour la maison. Comme ça sera fait. Mais t'es folle, toi? Mais oui, t'es vilaine, elle saute sur les rideaux. Tu vas pas dans les plantes, hein? Attention, hein. Donc je disais, je vais commencer par tout ce qui est pour la maison. Entre autres, hein. J'ai repris des sacs poubelles pour les poubelles hautes. Non, peut-être pas à ce point-là, mais les poubelles hautes. Donc c'est des sacs poubelles de 34 litres, il y en a 20 et c'était 1,15€ les 20. Pour la cuisine, j'ai aussi repris du papier cuisson. Donc c'est des feuilles déjà prédécoupées, il y en a 20 et c'était 1,59€. Tout Pour ça reste rester dans la cuisine, entre guillemets, j'ai repris les petits gobelets. Bah, c'est pas les gobelets en plastique parce que le plastique c'est pas bien. Et là, c'est des gobelets en papier, en carton. Ils disent pas exactement en plus, c'est pas marqué. Ah, Pepper, non, c'est du papier. C'est des gobelets en papier. Bref, il y en a, c'est un lot de 50 pour 1,09€. Ça Voilà. aussi, c'est pour la cuisine, mais moi je m'en sers pour le loisir créatif. Pour faire des petits trucs avec. Bref, c'est des petits pics, des cure-dents, non, pas des cure-dents, des pics à brochettes. Là, j'ai pas le prix, j'en ai aucune idée. Il y en a une centaine. Mais à mon avis, c'était moins d'un euro. Je sais pas. Bref, c'est des pics à brochettes. Ensuite, pour ma vilaine Fifi, là, la petite nouvelle, eh bien, j'ai pris une petite gamelle. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas le prix, je sais plus du tout combien c'était. Elle est toute petite la Grêle, hein. C'est pour quand elle n'est pas encore bébé, donc ça va, mais quand elle va grandir, il va falloir que je change à mon avis. Parce que c'est tout petit Rikiki. Bon, mes parents m'ont acheté une nouvelle maison, du coup j'avais acheté des gants pour faire la peinture chez eux. Enfin la peinture ou n'importe quel autre travaux, qu'importe. Il n'y avait que des tailles N, c'était la plus petite taille, donc j'espère que ça ira. Là c'est pareil. Ah si, j'ai le prix, c'était 69 centimes la paire de gants. Je sais. Ouais, ça va. Ça taille petit, ça va. Il y a Tiki sur la caméra. Merci, mon loulou. T'es gentil, mais tu descends, s'il te plaît. Viens. Tiki. Tu descends. Bah oui, tu descends. Bref, voilà. Des petits gants. Normalement, c'est pour la peinture, mais on va s'en servir pour tout et n'importe quoi. Pour passer salir les petites mimines, des piles. C'est toujours pratique d'avoir des piles sur soi, puis je crois que j'en ai quasiment plus. Donc c'était 1,89€ les 12. Bon, même si ces piles-là sont pas super de super bonne qualité, et ben ça fera l'affaire quand même. J'ai pris une petite poignée de porte. Tout simplement, moi j'ai pas le prix non plus là. Je crois que c'était moins de 4€ il me semble. 3,89€. Allez, on va sortir un prix au hasard. À des petites poignées. Et il n'y en avait plus qu'un, moi j'en voulais deux. Et depuis que j'y suis retournée, impossible d'en retrouver. Donc bah, tant pis, j'en ai que quatre et puis je vais faire ça va faire l'affaire. On verra bien. Et le dernier truc pour la maison, et ben c'est un balai à chiottes. Parce que le mien il commence à faire la gueule. Et c'est bien de les changer de temps en temps. Donc il serait temps. Hop,
t'en fous de toi. C'est le tout simple. J'ai pas... Y a rien de compliqué. Voilà. Et là, j'ai pas le prix non plus de ce truc-là. Bref, c'est emballé. Ensuite, les produits de beauté. On va dire ça comme ça. J'ai repris du dissolvant pour 99 centimes. Tout con, tout basique, mais ça suffit largement. Bien évidemment, mon essentiel, un produit pour laver les mains. Un savon pour les mains, voilà. J'ai l'habitude de me laver les mains je sais pas combien de fois, au moins 5 fois par jour, si ce n'est plus. Et avec le corona, eh ben c'est encore plus, c'est encore pire. Donc ça, c'est essentiel. Et il va falloir que j'en cherche... Là, il va falloir que je retourne en chercher un autre, parce que ça va partir super rapidement. J'en fais une consommation, c'est ça. Ça, c'est pour une de mes filles, un petit masque en forme de zèbre. Hein. Bah, vous voulez tester, alors bah, allez, soyons fous. Je crois que c'était quoi, 69 centimes, un truc comme ça. C'est une connerie, quoi. Elle veut essayer, alors elle veut essayer, elle va sortir. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai trouvé ce petit rouge à lèvres. Enfin, rouge à lèvres, non. T'appelles ça comment, toi? Bah, si, rouge à lèvres liquide métallique qui donne à vos lèvres un aspect mat et métallique. Mat et métallique. C'est pas un peu contradictoire, ça? On verra bien, on testera. Toujours dans le maquillage, j'ai trouvé deux nouveaux eyeliners que je n'avais pas jusqu'ici. Ça n'existait pas chez nous. Et ben là, je les ai trouvés. Or, je les ai pris. Je verrai bien ce que ça va donner. C'était 99 centimes chacun. Donc, il y en a un en feutre. Enfin, pas en feutre, c'est un pinceau classique. Le classique. Et l'autre, c'est avec... Bah, c'est comme ça. Tu vois, là? J'ai pas le retour caméra, je vois rien du tout, moi c'est chiant. Un eyeliner en gel. Texture gel, facile à appliquer grâce à la brosse. Alors que là, c'est marqué juste feutre eyeliner liquide pour une application précise sur votre paupière. C'est moi l'eyeliner, c'est toute ma vie. Donc je vais tester cela. J'avais testé l'autre en espèce de crayon. Et puis bah maintenant je vais essayer cela. Et tout le reste, voilà. Du coup, c'est que du loisir créatif, ma passion. Enfin, ça, même ça, non, c'est pas vraiment dans le loisir créatif, mais pour moi, oui. Un lot de 4 petits stylos. Des stylos de quoi? Des feutres liner. Voilà. Un noir, un rouge, un bleu et un vert. Et la mine fait 4 mm. Donc ça, c'est nickel. Et c'était 89 centimes le lot de 4. Tout simple. Tout ça, j'en avais plus du tout. C'est du double face. Le scotch double face. J'ai pas le prix de ce truc là, je sais plus combien c'était. Bref, j'en avais plus, alors c'était le bon moment. Pour mon pistolet à colle chaude, et bah j'ai repris de la colle chaude. Un petit bâtonnet. Et pareil, j'ai pas le prix non plus, je sais plus combien c'était ces machins là. Bref, on s'en fout. J'en ai repris de l'eau. Parce que ça, c'est la partie. Pour l'anniversaire d'un ami, je lui ai pris une petite carte postale. Parce que. Pas une carte postale. D'habitude, je l'ai fait toujours moi-même, mais là j'avais la flemme. Donc du coup, j'en ai pris une. Avec des petits smileys et des gâteaux, des sucettes. Enfin bref, c'est l'anniversaire quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'un petit mot à écrire et puis c'est bon. Et c'était 65 centimes l'enveloppe. La carte est tombée pour la toute première fois. Tu sais, moi, il n'y a jamais rien. On trouve jamais rien ici. C'est pourri. Mais là, j'étais contente de trouver. C'est du papier foil. Donc il y a 5 mètres à chaque fois. Non. Il y a 5 rouleaux qui font 1 mètre. Il y a 5 rouleaux de 1 mètre. Donc c'est très bien. J'avais pas le choix au niveau de la couleur, il y avait que ça. Alors, bah, c'est comme ça. Voilà. J'ai quoi? J'ai des petits stickers. Des checker stickers. Jeux d'autocollants. Sur le thème amérindien. Et ça, c'était 64 centimes la petite planche. Ensuite, là, c'est pareil, c'est encore des stickers, mais en version carreau de ciment pour 74 centimes. Ensuite, là, j'en ai pris deux. C'est des... Bah, ils appellent ça aussi des stickers. Et c'est des... Pour moi, c'est des petits tags avec la petite cordelette. Et je dis pas de conneries, il me semble qu'il y en a deux à chaque fois. Deux pareils. Voilà. C'était 64 centimes aussi, les deux. Enfin, l'unité. La planche. J'en ai pris un peu tropical, on va dire ça comme ça. Et l'autre, c'est que des petits animaux. Enfin, dans l'autre aussi, il y avait des petits animaux. Bref. Ensuite,
Pour mon bullet journal, je me suis amusée à prendre plein de petites planches de stickers. Des stickers et encore des stickers. Et à chaque fois, c'était 99 centimes la planche, recto verso. Donc j'en ai un sur le thème de la nature. Là, c'est pareil, c'est un peu style amérindien, mais boho. Tu vois, ça fait un peu shabby. Et l'autre, c'est très printanier avec beaucoup de couleurs, quoi. C'est très vif. C'est tout mignon, tout joli. Voilà. L'avant-dernier petit truc, c'est un paper block. Bloc de papier de luxe. Voilà, pour 1,79€. Je sais même pas c'est quoi comme thème. Sauvage, on va dire ça. Et le dernier petit truc que j'ai acheté chez Action, et ben c'est de la peinture. Pour 2,59€, il y a 4 petits pots. C'est du ouais, peinture créative, c'est tout ce qu'ils mettent. Dans mes tons préférés, bien évidemment, couleur menthe et argenté. Et celui-là, il est très pailleté celui-là. Et wouh, voilà, pour la peinture. Et voilà pour ma vidéo. Après, il y a plein d'autres petits trucs qu'on a acheté pour les vacances. On a repris du shampoing, du gel douche, du dentifrice. On a pris aussi quoi? Qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris plein de petits trucs pour les vacances parce que j'avais pas envie de me faire chier avec ça dans les sacs de voyage. Et j'ai dit, bah on va aller acheter ça sur place directement. Voilà. Et comme ça, c'est resté là-bas. Parce que c'est la maison des vacances et c'est la maison où on retournera tous les ans. Donc comme ça, c'est déjà sur place et on se fait plus chier. Et j'ai encore oublié certaines choses, mais je sais plus. Alors tant pis, c'est pas grave. C'est tout pour ma dernière vidéo haul Action. Alors après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, mais alors d'aujourd'hui, j'ai pas envie de refaire d'autres vidéos haul. Parce que finalement, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Si je prends pas de plaisir à le faire, ça sert à rien. Je crois que ça s'est senti un petit peu là, non? Mais je peux pas trop rigoler, c'est ça tire, ça fait mal. Ouais, donc du coup, bah c'est tout. Alors, je vais couper court à cette vidéo. J'espère quand même que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe en commentaire. Non. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Comme à chaque fois. Et en attendant, eh bien, moi, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!